courrier anonyme l'informant. En 2010, l'évêque d'Annecy reçoit un courrier anonyme l'informant que Pascal Vézin, prêtre depuis 17 ans et qui officie à la paroisse de Megève, est membre du Grand Orient de France. Dans un premier temps, le prêtre nie, mais l'évêché découvre sur Internet une communication de sa loge annonçant qu'il tient une conférence au nom du Grand Orient. En 2011, l'évêque lui demande de quitter sa loge pour cause d'incompatibilité. Le porte-parole de l'évêché précise que tout en prônant la liberté de culte, le Grand Orient ne reconnaît pas l'Église catholique. S'ensuivent des échanges de mails, de courriers, des entretiens entre l'évêque d'Annecy et le père Vézin qui refuse de quitter sa loge au nom de sa liberté absolue de conscience. La Congrégation pour la doctrine de la foi, sorte de ministère des affaires intérieures de Rome, l'a donc démis de ses fonctions après 3 ans de discussion. Le père Vézin n'est ni le premier ni le dernier prêtre membre d'une loge maçonnique, mais habituellement le secret est mieux gardé. Un courrier anonyme l'informant. En 2010, l'évêque d'Annecy reçoit un courrier anonyme l'informant que Pascal Vézin, prêtre depuis 17 ans et qui officie à la paroisse de Megève, est membre du Grand Orient de France. Dans un premier temps, le prêtre nie, mais l'évêché découvre sur Internet une communication de sa loge annonçant qu'il tient une conférence au nom du Grand Orient. En 2011, l'évêque lui demande de quitter sa loge pour cause d'incompatibilité. Le porte-parole de l'évêché précise que tout en prônant la liberté de culte, le Grand Orient ne reconnaît pas l'Église catholique. S'ensuivent des échanges de mails, de courriers, des entretiens entre l'évêque d'Annecy et le père Vézin qui refuse de quitter sa loge au nom de sa liberté absolue de conscience. La Congrégation pour la doctrine de la foi, sorte de ministère des affaires intérieures de Rome, l'a donc démis de ses fonctions après 3 ans de discussion. Le père Vézin n'est ni le premier ni le dernier prêtre membre d'une loge maçonnique, mais habituellement le secret est mieux gardé.